c'est vers l'éternel les cris. C'est vers l'éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. L'éternel des cris de joie.
avec joie, venez avec allégresse sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Aussi vers l'Éternel des cris de joie. Vers l'Éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'Éternel des cris de joie. Des cris de joie. C'est vers l'Éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'Éternel des cris de joie. Des cris de joie. Aussi vers l'Éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Aussi vers l'Éternel des cris de joie. Des cris de joie. C'est vers l'Éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais.
dure à jamais. Au souvenir l'éternel des cris de joie. Jour, parce que c'est jour pour m'adorer. Qu'im content, qu'im na tristesse, femme honorée. Depuis soleil levé, jour que la lune claire. C'est nord ou moins flé, après les.
Poussé vers l'éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Poussé vers l'éternel des cris de joie. Vers l'éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'éternel des cris de joie. Poussé vers l'éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'éternel des cris de joie. Poussé vers l'éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Poussé vers l'éternel des cris de joie. Vers l'éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'éternel des cris de joie. Ta force est perdue et que la vie t'empresse, rien ne va plus. Tu pleures toute la nuit, tu souffres, personne ne te comprend.
genoux et prie. À genoux tu te fais fort, tu gagnes la bataille, tu verras ta victoire. Sur tes genoux, à genoux plus de sombre nuage, plus de deuil, de gros orages, car Dieu te tient de mon droit le chemin. Ils veulent ta chute. Ils veulent ta chute. Paraissent vaines dans cette lune. Tu pleures toute la nuit. Tu souffres, personne ne te comprend. Tu deviens fort. Sur tes genoux. Tu peux gagner la bataille sur tes genoux. Sur c'est à genoux que ta victoire genoux est assurée. La Bible déclare que tu dois prier sans cesse. Sur tes genoux. Ami, reste à sur genoux. Tes sur tes genoux, tu remporteras la bataille. L'Éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Vers l'Éternel des cris de joie. Parce que c'est jour pour m'adorer. Qu'aime content, qu'aime m'attrait.
tristesse, femme honorée. Depuis soleil levé, jour que la lune claire, c'est nord ou moins flé, après les. Seigneur m'a adoré,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je me présente, Anne-Pascale en ténor, et je suis très contente d'être avec vous ce soir, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook ou sur Zoom avec nous. Vous savez, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il y a des mauvais côtés, des bons côtés, mais ce soir, nous vivons un bon côté. Vous ne me croyez pas? Imaginez, pas besoin de faire la file pour entrer dans un amphithéâtre ou dans une salle de concert. Pas besoin d'attendre, de prendre ou de donner ou ni d'acheter son billet de concert. Nous pas même besoin de le prendre parking, même à le chercher parking. Imaginez, c'est pas une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Faut remercier la technologie, bien sûr. Vous savez, après nos 100 jours de prière de notre chère église Bethel, it's only right. Il nous revient de droit de louer, d'exalter le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est justement ce qui clôture nos 100 jours de prière. Et c'est justement ce programme exceptionnel que nos artistes, nos amis, nos frères et sœurs, les membres de notre famille en Christ, Belgine et Lens de Bean NL Ministries, ils vous ont organisé un concert, ils vous offrent ce concert pour louer, en l'honneur de notre Dieu, pour qu'on puisse louer. C'est pas seulement garder pour nous venir garder ou chanter. Non, on vient ensemble adorer notre Dieu. Et ce soir, il y a quelqu'un que sûrement vous connaissez, ou peut-être pas, mais moi je le connais assez bien. C'est lui qui aura l'opportunité d'animer le concert de ce soir. Je vous présente mon père, Anderson en ténor. So you guys, sit tight. Sit tight. Enjoy yourself. Grab a snack. Assoyez-vous confortablement. Installez-vous. Et ensemble, ouvrons notre cœur. Chantons ensemble, glorifions le nom du Seigneur pour le concert de Belgine et Lens. Donc je vous laisse finalement avec l'animateur de ce soir, Anderson, en ténor. Alors, bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs. C'est tout un privilège de pouvoir m'asseoir confortablement pour animer un concert. Ce que je n'aurais pas pu faire, voilà 4 mois. Ou que je n'aurais pas pu me permettre si nous étions dans une salle ou à l'église même. Dans le confort de notre foyer, comme l'a dit si bien dit Anne-Pascale, nous allons avoir la possibilité de louer, d'adorer et de chanter. Il y a exactement plus de 100 jours, quand nous avions commencé nos moments de prière, le matin et le soir, plus précisément le 29 mars, je vous avais, au lancement de ce moment de prière, invité à prendre conscience de la présence de Dieu auprès de vous. Et ce soir, nous voulons jouir de cette présence. Nous voulons honorer cette présence. Nous voulons l'adorer. Et nous vous invitons à jouir et à vous remettre dans la même ambiance de la conscience de la présence de Dieu parmi nous. Avant de vous laisser délecter les 5 premiers morceaux qui constitueront la première partie de ce programme, et un peu plus tard, puisque je vais revenir, nous aurons la chance d'apprécier Lens et Belgine. Mais ce soir, ils veulent en un premier temps nous faire reconnaître que Dieu est enfant. Quand nous avions eu peur, il était là, il nous a dit, « Mon enfant, ne crains point, je suis là. » Et il nous a appris aussi dans notre pèlerinage de 100 jours que sans toi, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est le chant « Sans toi » que Belgine va nous interpréter. Et nous avions aussi appris qu'il était la source de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi vous et moi, aujourd'hui, avec ou sans masque, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il est au contrôle. Et c'est cette paix que nous voulons, que nous vous invitons à expérimenter et à vivre. Lens viendra par la suite pour nous mettre dans l'adoration et pour chanter les bontés du Seigneur. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Nous nous inclinons. Éternel notre Père, notre Dieu, nos âmes te louent, te bénissent parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon, parce que tu vis et parce que tu es puissant. Tu as fait tant et tant de choses pour tes enfants pendant ces 100 derniers jours. Tandis que nous étions en prière, tu en as profité pour nous rapprocher de toi,
pour nous attirer à toi, pour nous remplir de toi, pour nous donner la force d'affronter les événements qui viendront. Tandis que ce soir, nous voulons ouvrir notre cœur à toi. Nous remettons ce programme à la tendre bienveillance de Dieu, à ta tendre bienveillance, pour que tu puisses nous visiter. Et en nous visitant, tu pourras bien nous donner une double portion de paix, de sérénité et de joie que nous pouvons trouver qu'en toi. Bénis tes enfants, assiste-nous, bon Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Avec vous, mesdames et messieurs, Belgine en un premier temps avec les trois premiers morceaux. Il est là, sans toi, source de paix, qui sera suivi rapidement avec Lens, adoration et sing praise to the Lord. Bonne audition. Yeah!
Amen. Notre Dieu est toujours là. On va maintenant chanter 103, j'étais perdue. Donc, si vous connaissez la chanson, chantez avec nous. Sans toi, j'étais perdue. Je parcourais les allées et les rues. Sans force et sans abri, dans ton amour, Dieu, tu m'as. Give me more.
Cette chanson que je vais vous chanter présentement, c'est un chant que j'avais écrit. Il y avait une catastrophe à ce moment-là, c'était le tremblement de terre en Haïti. Puis, je n'avais pas les nouvelles des gens. Puis, à ce moment-là, j'avais téléphoné à une amie. Puis, au téléphone, on pleurait ensemble. Puis, après avoir raccroché le téléphone, j'ai écrit cette chanson, Source de paix. Mon Dieu veille encore et jamais il ne s'endort. Chantons ensemble. Avec Lens pour la partie parce que Dieu a été avec nous, il le sera encore et il va vous guider dans la louange maintenant. Bonne adoration.
Amen, amen, amen. Nous sommes en train de passer un bon moment, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Donc, je vais juste changer le micro. Ce serait mieux pour moi, ici, là. Ouais. Donc, nous sommes en train de passer un agréable moment et je dois vous encourager à partager ce moment avec quelqu'un, si vous aimez quelqu'un de vos amis vos chers. Donc, partagez ce moment. Donc, nous allons continuer ensemble. Je vais vous interpréter Adoration, une chanson encore que nous avons écrite il y a quelques années. Je vais chanter. Donc, si vous connaissez la chanson, vous pouvez chanter avec nous Adoration. Cher Seigneur, à tous anges non ciel yo papa, nous bénis vers vos gloires, pour toutes mes veilles ou faits, pour grâce ou l'amour, à tous anges non bouche nous papa, pour nier à notre chanter,
Béni soit l'Éternel. Amen, amen. N'a pas adoré au mon Dieu qui grand, n'est-ce pas? Au même cap suivre nous dans confort maison. Faut que nous assurer nous que n'a pas adoré le seul Dieu créateur. Donc la prochaine chanson, c'est une chanson anglaise aussi que nous avons écrite, Sing Praise to the Lord. Pourquoi ne pas donner gloire à Dieu en ce temps difficile, hein, ce temps de stress. Donc il faut donner gloire à Dieu en tout temps. Sing Praise. Search for me when I was all alone. You heard my voice and gave me joyful songs. You raised my soul and carried it beyond. You're the God of all the earth. You search for me when I was all alone. You heard my voice and gave me joyful songs. You raise my soul and carried it beyond. For you're the God of all the earth. Sing, sing, sing praise to the Lord. Praise to the Lord. He's the God of the angels. Give thanks to His name. He's the King of kings. That's why I want to praise Him. Sent your son to give his life for me. He took my sins and death to set me free. Today I surrender my life to thee. He's the Lord of all the earth. You sent your son to give his life for me. He took my sins and death to set me free. Today I surrender my life to thee. For He's the Lord of all the earth. Sing, sing, sing praise to the Lord. Praise to the Lord. He's the angel. Give thanks to His name. He's the King of kings. That's where I wanna praise Him. Praise Him.
Oh yeah, I want to praise him because he is God. And I want to praise him because he is the King of kings and Lord of lords. You shall be exalted. J'espère que votre âme s'est réjouie dans le Seigneur et que vous prenez goût et vous prenez part comme nous à cette ambiance d'adoration. On est aujourd'hui le 4 juillet, pour ceux qui nous suivent des États-Unis. Ah, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, de vous le rappeler. Vous allez voir le lien qui défile. N'hésitez pas de partager le lien avec ceux qui suivent avec vous. Pourquoi ne pas encourager un ami, une connaissance, n'importe où il est, en Haïti, aux États-Unis, au Canada, pour suivre avec nous et adorer avec nous le Seigneur par ce moment de louange. Donc le 4 juillet, disais-je, c'est le jour où il y a beaucoup de gratuité, le jour des spéciaux aux États-Unis. Vous êtes chanceux au Canada, vous avez un spécial, gratuitement dans le confort de votre foyer, qui devient un amphithéâtre pour adorer Dieu et pour apprécier Belgian Lens. Mais n'oubliez pas que les morceaux que vous venez de suivre sont sur l'album À genoux, le deuxième. Vous pouvez encore sur le lien cliquer et voir comment vous pouvez vous procurer cet album. Il y a l'autre album, le premier, Tu marches avec moi, qui est encore disponible. C'est notre façon de leur dire merci. C'est notre façon d'apprécier avec eux l'effort qu'ils font. Et c'est notre façon, en tant que communauté, de les encourager dans la bonne cause. Louange à Dieu, gloire à Dieu. Mon âme s'est réjouie dans le Seigneur. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Une deuxième partie s'impose. Mais cette deuxième partie, c'est votre partie à vous. La partie où vous aurez la possibilité, vous, de parler à votre Dieu, d'apprécier les bienfaits de ce Dieu. Le premier chant qui va débuter cette partie, c'est un chant créole. Kembe mè mwen. Oui, kembe mè mwen. Seigneur, lè la vie a virem de bo. Lè m sentim fatigué ou lè m problème a tourmenté m. Faut kembe mè mwen. Merci. Kembe mè mwen parce que la seule façon qu'a kembe mè mwen, c'est avec parole, tes mots d'encouragement, tes mots d'espoir pour me parler d'amour, pour me parler de toi. Et quand ces mots entrent en moi, je ne peux que me mettre à genoux pour adorer, pour apprécier et pour jouir de cette présence en nous. À genoux, j'aurai la chance d'être au niveau de l'humilité, pour apprendre à pardonner à mes frères qui m'ont offensé, et pour apprendre aussi à pardonner. Et c'est seul monde qui peut permettre de arriver à pardonner, seule force qui peut permettre de faire ça, c'est au même mon Dieu. C'est chance à que je mette à délectation ou à souhait. C'est parti par là. Prends temps pour jouir, pour dire à mon Dieu, Kembe mè mwen. Par tes mots, Seigneur, je veux te rejoindre dans la prière à genoux. Et à ce stade d'humilité, tu pourras m'apprendre à pardonner parce que, ou même seulement, c'est fausse moi. Apprécions BL Ministries dans cette deuxième partie.
Personne l'avait déjà annoncé, tes mots. Le Seigneur peut nous guider qu'à travers ses mots, qu'à travers sa parole. Donc, pas trop de littérature à travers cette chanson-là. Donc, nous allons juste l'exécuter. Si vous la connaissez, chantez avec nous. Sont nos tes mots, ta tendre voix la révèle. Des mots, des soirées d'amour, dans mes moments de chagrin. Ta parole seule console mon âme, Jésus, nous sauve mon roi. Tu es merveilleux. Et le présent dans tes mots, il est sur ma table, son allure. Comme pour appeler mon nom, quand j'y passais, alors j'ouvris ce trésor. Trouver des mots de toujours, écrits en lettres d'amour. Je savourerai chaque phrase
l'aspect des mon chagrin ont disparu. Une façon de tes mots, quand on revoit la rivière, des mots d'espoir et d'amour, dans mes moments de chagrin, ta parole seule console mon âme. Jésus, mon sauveur, mon roi, tu es merveilleux. Une façon dont tes mots. Moment, hein. C'est sur l'écran. Vous pouvez me partager, vous pouvez aussi me supporter. J'appelle Belgine, nous allons interpréter une autre chanson encore, à genoux. Je demande à Belgine de passer ici. À genoux, c'est une chanson très profonde, moi personnellement, que j'aime beaucoup. Et Belgine dit toujours quelque chose, quelqu'un qui veut être fort. Fort. Il faut rester à genoux. Si tu veux être debout par devant les hommes, il faut rester à genoux devant Dieu. À genoux, j'aime ça. J'aime cette phrase-là. Oui. Peux-tu la répéter? Si vous voulez rester debout par devant les hommes, il faut rester à genoux devant votre Dieu. Devant votre Dieu. Amen. Tu pleures toute la nuit, tu souffres, personne ne te comprend. Ton Dieu est là, il t'entend. Mets-toi à genoux et prie, à genoux tu deviens fort, tu gagnes la bataille. Tu verras ta victoire sur tes genoux, à genoux.
tien te montre le chemin. Sur tes genoux, les oppresseurs triomphent, ils veulent ta chute, ils veulent ta chute. Tu gagnes la bataille, tu verras ta victoire, ta victoire sur tes genoux, et sur tes genoux, à genoux plus dans son voile, plus de d'un grand orage, car je te tiens, te montre le chemin. Il comprend tes blessures. Laisse-lui tes fardeaux. Tu gagnes la bataille. Tu verras ta victoire. Tu verras ta victoire sur tes genoux. À genoux, plus de son voile. Plus de d'un gros orage. Car Dieu te tient, te montre le chemin. Sur tes genoux, à genoux tu deviens fort. Tu peux gagner la bataille sur tes genoux. C'est à genoux que ta victoire est assurée, car la Bible déclare que tu dois prier sans cesse. Ami, reste à genoux. Sur tes genoux, tu remporteras la bataille. Oui, sur tes genoux, ami, reste à genoux. Amen. Amen, amen, amen. Amen, sur tes genoux. Et la prochaine chanson? Nous allons chanter Pardonner. Mm. C'est pas facile, hein, Lance, de pardonner. Non, pas du tout. J'ai appris la semaine dernière que le pardon est un don. Et le pardon n'est jamais facile. Donc, un chrétien, nous devons prier en tant que chrétien, prier à ce que Dieu nous donne ce don. Il faut dire que le pardon est divin. Oui. Pour pouvoir pardonner, il faut être connecté avec Dieu. Parce que le pardon n'est pas humain. Imaginez, vous, quelqu'un vous a fait du tort. Donc, c'est dur de pardonner. Et vous devez certaines fois aller voir la personne avant que la personne vienne te voir. Ce que déclare la Bible. Habituellement, frères et sœurs, nous pensons que les gens savent qu'ils nous font du tort. Des fois, ils ne le savent pas. Et vous laissez ce tort vous ronger. Vous éloignez de Dieu sans le vouloir. Vous pensez que, oui, vous priez, vous faites tout ce qui est bien, mais vous dites que la personne n'est pas venue me voir. Mm-hmm. Mais ça vous ronge, mm-hmm. puisque ça vous ronge. Allez voir la personne et ayez le courage de pardonner. Amen. À la fin de la journée, il faut pardonner. Parce que si vous vous imaginez condition, bien. C'est la condition. Mais en fait, je ne sais pas si je comprends mal ma Bible. C'est la condition pour être sauvé. Hein? Parce que la Bible m'a dit, dans ma Bible, comme je vous l'ai dit, là, ça c'est moi, c'est peut-être moi qui ai mal compris.
dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Ça veut dire que si vous le pardonnez, il ne vous pardonne pas parce qu'il vous pardonne comme vous pardonnez. Donc, on ne va pas trop rester à discuter de ce sujet. On va chanter le pardon. Amen. Amen. Dans les bois, réfléchissant au jour de sa vie d'autrefois. Il pensait à ceux qui lui avaient menti, ceux qui lui avaient volé, ceux qui l'ont abandonné. Que je ne puisse te comprendre, mais je prie que tu m'enseignes à aimer, que ton amour m'inonde, cet amour si fort, si tendre, qu'il m'aide à pardonner. Ce n'est pas cette vie que j'aurais choisie. Son âme se remplit de colère, d'épreuves amères et de misère. Et il fuit ma colère est si profonde. Je crains que je ne puisse te comprendre, mais je prie que tu m'enseignes à aimer, que ton amour m'inonde, cet amour si fort, si tendre, qu'il m'aide à pardonner.
Ah, j'allais moi aussi partir. Laissez fausse moi. Pas trop de littérature, on va chanter ensemble. Laissez fausse moi les mains danger. Maman, de nous chanter avec moi le nom qu'on est parti. Colby, caméra, madame, voilà, on a les sauvés, le mandat chez.
manière que bon Dieu c'est facile, c'est protection dans moment difficile. Yo, amen. Toute infirmière qui doit yo infirmier nous dit bon Dieu merci parce qu'elle sauvegarde nous. Amen. Alors, est-ce que je vous ai menti quand j'ai annoncé cette partie? Où je vous avais proposé que c'est parti parole, c'est parti parole pour chita avec bon Dieu, dans pied bon Dieu, pour manifester foi, pour agir foi et confesser que bon Dieu c'est force. Je me prends pile plaisir pour me chanter chant ça. C'est force moi, c'est joie moi, c'est toute vie moi. On ne saurait venir adorer le Seigneur sans offrir quelque chose. On ne vient pas adorer Dieu sans des offrandes. C'est le temps à vous de réfléchir pour voir si vous avez des offrandes, si vous avez, si vous voulez accompagner BNL Ministries dans leur chant. Ce qu'ils font, c'est vraiment bien, un chant, une louange. Vous ne savez pas ce que ce chant peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est le temps pour vous de voir en bas de l'écran les liens où vous pouvez faire des dons à BNL Ministries et les accompagner, les encourager. Maintenant, c'est le temps d'appeler Lens et Belgine pour vous mettre au parfum de leur projet. Avec la crise de la COVID, je sais que tous les projets, annuellement, ils donnent un concert. Est-ce que ces projets sont encore là et comment ils ont été affectés par la crise? Lens, Belgine, venez nous en parler un peu plus par rapport à tout ça. Alors, mais c'est nous qui avons campé et tout. Ok, c'est nous qui avons campé, nous avons campé et tout. Alors, mesdames, messieurs, nous avec Lens et Belgine, BNL Ministries. Et nous connaissons le ministère de Belgine et Lens, en créole, ministère Belgine et Lens, en espagnol, ministeria de Belgina et Lens. Comme on demande en allemand. Polyglotte. Alors, nous connaissons que pendant la crise, là, ça doit faire nous mal. Parce que nous n'avons pas qu'à dans l'église pour nous adorer, dans l'église pour nous encourager par la chanson. Comment nous vivons ce moment ça? Ben, c'est pour. Et beaucoup d'entre vous, comme pour nous, c'est vraiment difficile pour nous vivre un moment ça. Lorsque, nous, par exemple, nous avons un concert le 13 juin à Leonardo da Vinci, nous obligé annuler, qui est annulé. Bon, c'est pas nous obligé. Donc, à cause de circonstances, nous voyager États-Unis, nous avons des concerts États-Unis un peu partout ici au Canada. Donc, c'est annulé à cause de circonstances. Donc, ça fait nous en pile mal lorsque nous ouais nous pas qu'à certainement connecté à public là à monde qui remet nous c'est un peu difficile pour nous. Moi petit Jean les m'a bien pas caché, m'a connait si vous même l'a bien on a caché. Me connaît que en fait tout déplacement ça c'est pour alimenter et payer tout coût que ça qui associé à production nous. Donc est-ce que dans ce sens ça nous affecté tout? Oui, nous a affecté, mais... Depuis c'est l'agence, c'est où? Bon Dieu. Mais bon Dieu, toujours, mettez de bonnes personnes sur chemin, nous. Ça, nous sommes capables de témoigner. On a dit qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas rentrer en studio, les chansons sont là. Puis tout à coup, il y a notre bassiste et producteur, il nous a appelé. Il nous a dit, ben, on va produire une chanson. Puis, il y a Colby qui a dit, ben, regarde, mais lui, c'est notre, comment ça dit, c'est pas caméra maintenant? Vidéographe, réalisateur. Réalisateur, producteur, tout ce qu'il fait, il fait, m'a tout fait publicité, il y a de vidéos que nous avons, si nous avons exaltation, il travaille pour un pile artiste, il y a peine de travail pour nous sur notre vidéo, gratuité, il y a encore, comment ça s'appelle? Je reviens vers toi, ouais, quelque chose comme ça. Puis, il y a sorti très prochainement,
Donc oui, ça affectait nous, mais bon Dieu mettait de bonnes personnes sur chemin nous, comme cette maison de production NH Production avec Jean-Richard qui comme le PDG, il a aidé nous en pile. Donc bon Dieu, nous capables pas gagner des sous qui rentraient, mais bon Dieu fait travailler à travers des gens que lui mettait sous pied. Si vous voulez prendre un langage commun, bon Dieu voyez quoi boire. Bon Dieu voyez quoi boire. Amen. D'accord. Donc, en nous faisant un japon pas tuer quoi boire. C'est dans ce sens à m'inviter, non? Si nous ne voulons pas boire mourir, en bas, nous avons un lien. Comment nous pouvons aider BNL Ministries? Si parce nous avons aimé d'autres concerts, pareil, parce que ça coûte. Exactement. Moi-même, et si, si nous voulons prendre place quoi boire tout. Parce que bon Dieu utilise Corbois, même qu'il a utilisé, tout comme Corbois qu'il a utilisé, tout c'est même qu'il a suivi. Et quand personne, moi-même, ça me t'a aimé, c'est que je dis, hein, ok, chers internautes, nous présenter nos concernants avec playback, n'est-ce pas? Bon, c'est bien, même t'a aimé gain live, musicien, ensemble avec nous. Donc ça prend des sous. Hein. En passant, prend distance moi-même, parce que si nous avons un musicien, là, ça, ben, là, c'est plus compliqué. Parce que faut gagner distance, faut. Ben, on pensait que by the time que nous avons Ben avec nous, bon Dieu qu'a guetant aplani les choses, oui, n'a plané les choses. Qui dernier mot nous t'a aimé dire à tout public qui a côté nous, mais spécialement famille nous na Bethel. Oh. Oh. Ça cherche là, ça vraiment cherche. Non, c'est une grande famille, vous voyez. Et sincèrement, je vous le dis. À Bethel, les gens nous aiment et c'est un coup de cœur pour nous, ouais, comment Mounio, particulièrement à Bethel, supporter nous. Mais partout, lorsque nous allons aux États-Unis, en partant, nous saluons tous les amis des États-Unis, côté nous allons dans toute l'église, nous présenter concert, ils sont toujours là, ils supportent nous. Donc, nous remettons en pile, en nous restant connectés, supportez nous. Parce que nous avons en pile inspiration des chansons qu'il a, mais nous ne pouvons pas entrer dans le studio parce que nous pas qu'à présenter nous n'importe qui bagaille. Vous comprenez? Donc, nous remettons en pile, on nous été connectés en dépit de ces moments difficiles, on nous été connectés, on nous été sous deux genoux nous, jusqu'au retour de Jésus. Juste pour moi, vas-y. Oui, je veux dire merci aux gens de Bethel, merci pour cette belle opportunité que vous nous aviez offerte en nous demandant de présenter le concert pour pouvoir clôturer les 100 jours. Nous vous aimons beaucoup et on le sait. Vous n'avez pas besoin de le répéter en tout temps. Si vous nous le répétez, c'est correct, mais on le sait. On sait bien que vous nous aimez également parce qu'à travers nos CD, à chaque sortie là, je vous le dis, cher public, les gens de Bethel prennent des CD par 20. Par 30 pour aller donner aux gens comme évangélisation. Donc, merci beaucoup, merci de tout cœur et merci à vous, chers internautes, qui nous écoutez de partout. Je sais qu'il y en a qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas créole, donc c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de faire ce remerciement en français. Merci à vous de nous avoir supportés pendant ce moment. Il nous reste encore deux morceaux, chers animateurs. Deux morceaux, mais avant de les annoncer, je veux seulement vous rappeler que la Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, il ne saurait être autrement. Amen. Donc, c'est là où dégage l'amour. Et c'est ce dont nous avions, pour lesquels nous avons prié tout pendant les 100 jours pour que le Seigneur transforme cette église en une véritable maison de Dieu. Donc, pour clore ce moment de louange et d'adoration, ce moment de remerciement au Seigneur, nous avons deux autres morceaux. Mais avant de vous les annoncer, je veux seulement vous rappeler que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits par le passé. Ne craignez rien. Notre Dieu est puissant. Amen. Il déplace les montagnes. Nous allons demander nous pour nous faire place dans le salon, si c'est dans le salon, il y a à côté, parce que nous ne pouvons pas le voir, mais même tout. Et pour nous chanter, mon Dieu est puissant. Et ensuite, pour nous faire monter vers Dieu, nos cris de joie avec Belgian Lens. Mon Dieu est puissant et des cris de joie. Bonne adoration. Amen. Amen. Oui, certainement. Tu restes avec moi ici. J'allais m'asseoir, mais c'est quoi? Tu peux, non?
Ben, je demande à tout le monde, si vous êtes chez vous, donc mettez-vous debout là où vous êtes, dans le salon, donc, et nous allons chanter ensemble, interpréter cette chanson. Et mon Dieu est puissant. Moi, je vais faire tout ce que Lens demande de faire, donc c'est ce que vous allez faire aussi, ce que je fais. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à chanter avec moi? Ensemble, élevons nos voix, car nous allons célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est grand, tout puissant et mérite gloire. Oh, servant un Dieu tout puissant, n'est-ce pas? Chantez avec moi maintenant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, encore une fois, chantez avec moi. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il guérit mon cœur brisé. Fortifie mon cœur lassé. Il règne éternellement. Ah, chantez avec moi, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, si vous le croyez, chantez avec moi, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Guéris mon corps brisé. Fortifie mon cœur lassé. Il règne éternellement. Ah, j'aimerais vous entendre chanter tout mon Dieu. Mon Dieu est puissant. 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 Ah, il est puissant. Puissant. Chantez avec moi ce soir. Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Sauveur du monde entier. Sauveur du monde entier. Sa mort m'offre le salut. Par lui, je suis sauvé. Ah, oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. En lui, je suis pardonné. Sa grâce m'a régénéré. Béni soit son Saint-Nom, chers et chères. Oh, chantez avec moi ce soir, mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Puissant. Oui, je sais qu'il est puissant. Puissant. Ah, il est puissant. Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Puissant. Oui, je sais qu'il est puissant. Il est majestueux, il est puissant. Oui, notre Dieu est libérateur, libérateur, libérateur. Il nous a libérés du péché, il nous a libérés des coronas. Il est tout puissant, si vous le croyez, chantez avec moi ce soir. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, notre Dieu est saint. J'aimerais vous entendre chanter ce soir, parce qu'il est tout puissant. Oui, notre Dieu est.
pourvoyeur, 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 et pourvoir à nos besoins. Chantez avec moi ce soir qu'il est tout puissant. Oui, notre Dieu est protecteur, protecteur. Il protège nos enfants, il protège nos familles. J'aimerais que vous chantiez avec moi ce soir. Chantez qu'il est tout puissant. Oui, notre Dieu est notre Dieu. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Il a plané mes sentiers. Il a plané mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, si vous le croyez, dites avec moi, mon Dieu est puissant. Guéris mon corps brisé. Fortifie mon cœur lassé. Béni soit. Béni soit son Seigneur. Maintenant, pour le dernier chant, je sais que vous êtes déjà debout. Et on va pousser des cris de joie. La Bible nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Cris de joie. Pour tous habitants de la terre. Peu importe que vous soyez un enfant, un jeune, un vieillard, adulte, peu importe. Poussez des cris de joie parce que vous êtes des habitants de la terre. Et la Bible nous dit encore, si vous respirez, vous devez donner gloire à Dieu parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais c'est nous les vivants qui louerons l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Come on. C'est vers l'Éternel les cris de joie. Tous habitants de la terre, servez-le avec joie. Venez avec allégresse sa présence. Servez-le avec joie, quand sa bonté durera jamais. Chantez, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Tous habitants de la terre, servez-le, servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez-le, servez-le avec joie, car sa bonté durera jamais. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Nous sommes élus, nous sommes son peuple, son pâturage. Nous sommes élus, nous sommes son peuple, son pâturage. Poussez vers l'Éternel, des cris de joie. Tous habitants de la terre, servez-le, servez-le avec joie. Avec joie, avec joie, avec allégresse en sa présence. Servez-le, servez-le, avec joie, avec joie. Sa bonté durera jamais. Yeah, yeah. Il est fidèle, il est lié, l'Éternel, l'Éternel. Il est fidèle. Poussez vers l'Éternel, et crie de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, car l'Éternel est Dieu, car sa bonté durera toujours. Il est fidèle, il est réel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Entrez dans ses portes avec des louanges. C'est par vie avec des cantiques. Célébrez-le, célébrez-le. Bénissez son nom, car sa bonté durera jamais. Célébrez-le, célébrez-le.
Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Ouh. Exceptionnel, je me rappelle que je vous en avais parlé. Je sais pas, ce programme est exceptionnel, pas vrai, pas vrai? Ouais. Exceptionnel, à la gloire de Dieu, exceptionnel. Alors, voilà l'ambiance, l'harmonie et le cœur des enfants de Dieu. Dieu veut que nous le servions avec joie, avec la passion que dégage l'amour qu'on a pour lui. Voici une bonne note, sur une bonne note, qu'on termine un moment de prière. Tout n'est pas fini. Vous allez continuer à prier chez vous. Vous allez continuer à prendre les bonnes habitudes le matin. Vous allez continuer à prendre les bonnes habitudes du soir. Mais retenez qu'à l'Éternel, on doit toutes les louanges. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Conservez votre joie, car notre joie ne vient que du Seigneur. Je vous invite à vous incliner pour louer ce Dieu grand et puissant. Seigneur, nous venons de le chanter. Chanter, c'est prier deux fois, dit-on. Gloire et louange à toi. Toi qui nous donnes la vie, toi qui prends soin de nous, et toi qui continues à te manifester jour après jour à tes enfants. Seigneur, prends-nous en pitié, prends-nous en charge. Car quand tu nous tiens la main, quand nous sommes sous tes ailes, nous sommes vraiment bien. Que notre joie en toi soit parfaite et que les autres, par notre joie, puissent venir découvrir ce Dieu fort, grand et puissant qui procure la joie à ses enfants, même en temps de pandémie, même au milieu des difficultés. En temps de crise, tu es là, tu donnes la joie. Tu donnes surtout la paix. Que vos cœurs ne se troublent point. Restez et conservez la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, c'est le temps de remercier filles et pères. Hein? Ils ont fait un excellent travail, n'est-ce pas? Merci Anne-Pascal. Merci Anderson. Merci les enseignants. Merci Rose, chérie. Merci Colby. Merci Colby. Jean-Richard. Dompès, Jean-Richard, Deyala. Donc, merci. Donc, chers internautes, n'oubliez pas de nous supporter. Vous avez les liens en dessous des écrans, en fait, de votre écran. Donc, n'oubliez pas de nous supporter. Achetez les CD, faites des dons. Puis, on vous laisse avec. Si possible. Le dernier feedback que je voulais avoir. Comment vous avez trouvé ce live? Vous à la maison, si vous voulez écrire sur le live chat. Donnez-nous vos impressions. Comment vous avez trouvé ça en studio? On va faire un micro-trottoir pour avoir les impressions de tout le monde. Comment vous avez trouvé le live? Si vous l'aviez aimé, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Il y a toujours la place pour l'amélioration. Donnez-nous vos commentaires. Rose, tu veux dire quelque chose? No. J'ai loué, en tout cas. Elle a loué, en tout cas. C'est harmoniolier. C'est harmoniolier. Pascal, toi? Excellent, dis-nous déjà. Exceptionnel. Je voulais remercier les gens de Bethel. Le staff de Bethel, la technique. Merci, vraiment. C'est le temps de prendre le temps, c'est le temps de vous remercier. C'est dommage que je ne puisse avoir avec moi sur le plateau Ricardo, oui. Nadine, Job, les infatigables, Yolette et ces deux perroquets qui ont chanté, qui ont loué tout le long des 100 jours et que priez pour que je ne rentre pas à la maison. Non, I'm joking. I'm just kidding, guys. Donc, merci beaucoup pour votre engagement. Merci pour votre passion. Merci pour votre dedication. Je perds mon français un petit peu. Thank you for your dedication, guys. Le Seigneur en prend note. Il est celui qui paye. C'est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Cherchons Dieu et qu'il nous paye. Bonne fin de soirée. Amen. Amen.